Alors, ce petit manuscrit est un travail des élèves sur un projet sur le dragon. Donc, c'est une quête que j'aime énormément. Je travaille le dragon, j'écris sur les dragons et j'essaye de faire passer ma passion pour les dragons à mes élèves. Et en même temps, ça leur permet de réinvestir toutes les notions et les structures qu'on a vues en anglais. Donc, ils décrivent le dragon et ils donnent les goûts de leur dragon, leur famille, le lieu où ils habitent, et ça permet de revoir tous les cours d'une façon beaucoup plus ludique. Cette année, avec Madame Jeuze, on a fait en quelque sorte des activités sur les dragons qui nous permettaient de s'amuser, de découvrir un peu son deuxième métier, on va dire, et de réviser notre vocabulaire en anglais, donc tout ce qu'on a appris cette année. Je suis dragonologue, ça veut dire que j'étudie les dragons et j'ai un doctorat de dragon, de dragonologie, en littérature anglo-saxonne. Qu'est-ce que ça signifie, en quoi ça consiste ? Donc je queste les dragons anciens, les dragons de la religion, les dragons qui sont représentés un peu partout en Europe essentiellement, puisque je parle du dragon européen. Et j'écris et je fais des conférences. J'ai déjà publié 3 livres sur les dragons. La Dragon Fantasy, j'ai fait une conférence sur ce thème à l'université cette année. C'était mon dernier essai sorti. Et sinon, j'essaye de transmettre la passion des dragons à mes élèves. Donc depuis 3 ans déjà, je travaille avec eux sur les dragons et je les forme à la dragonologie. Est-ce que c'est pas un petit peu, j'allais dire, irrationnel de dire qu'on travaille sur le dragon, parce que jusqu'à preuve du contraire, ça reste un animal imaginaire? Alors je ne suis pas trop d'accord, parce que c'est un... D'abord, je ne dirais pas que c'est un animal, mais une créature qui est composée essentiellement de tout ce que l'homme a voulu mettre dans cette créature. Donc quelque chose qui est tellement ancré en lui que ça ne peut pas être imaginaire. C'est en lui, c'est quelque chose qui est issu de l'homme, c'est un miroir de l'homme. Donc il existe, il a toujours été là. Si on regarde tous les vieux manuscrits depuis la période du Moyen-Âge, le dragon est dessiné dedans. On en a retrouvé il y a plus de 3000 ans dans une tombe en Chine, Yunnan, à côté de l'homme. Donc le dragon est là, à côté de l'homme. C'est vraiment son miroir, il est là.